Aujourd'hui est une journée très spéciale des cocos parce qu'aujourd'hui, ben, de un, je vlog, puis ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vlogué. Fait que là, je suis excitée de vous montrer ma journée. Et puis de deux, aujourd'hui, c'est le Juste pour ado! Yay! Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer pas mal ma journée au Juste pour ado. J'ai vraiment hâte d'y être. Puis aussi, juste un petit disclaimer, peut-être que ma voix sonne un peu bizarre. Hier, c'était... Ben, aujourd'hui, c'est la fête à Ali. Donc hier, on célébrait au Beach Club. C'est un petit peu brossé. Fait qu'il y a peut-être des petites séquelles dans ma voix. Mais sinon, là, il faut que je me prépare, il faut que je me chicks pour vous rencontrer tantôt. Fait que là, je m'en vais rejoindre les filles Amy puis Ali. On se prépare ensemble puis on va à l'événement. Fait que je vais vous montrer toute ma journée, les coucous. Je suis toute excitée, ça va être cool. Let's go! Hi! What are we doing today? Today, we are going to Juste pour ado. Oh yeah! Puis check, j'ai sassé toutes mes belles. J'ai du maquillage, un beau petit outfit. Yeah. Là, on va rencontrer les petites personnes qui écoutent ces vidéos. Yeah. Mais toi aussi, les petites personnes qui suivent aussi. On rencontre tout le monde. Moi, je suis une vraie citrouille. Ou une orange. Ou une carotte. Une carotte. Bye, on se voit là-bas. Bye. On arrive sur les lieux. Il y a du monde en messe, en tabarnak. C'est qui, moi, ça? Oh! Ça va? Oh my god! On va bientôt rentrer sur la scène. Comment tu sens? La dispasse! Je suis mal à l'aise un petit peu, j'ai peur. Il y a tous les influenceurs, les artistes. Hey, what's up? Non, on est journée dernière, on rentre à pas long, ça va être la pagaille au nord. Je pensais pas vivre ça à un moment donné. C'était vraiment, c'était des larmes de joie.
C'était magnifique! Plein de belles personnes, beaucoup trop gentilles qui ont donné tellement d'amour, c'était wow! Pour vrai, comme c'était à un autre niveau, vraiment au-dessus de nos attentes, on a capoté. Merci, guys, merci! Attends! Ah quoi? C'est quoi qui se passe? C'est ça dans le vlog? Ouais, je vais être dans le vlog là. Ok, Thierry, tu veux-tu faire une pirouette? Ouais, une pirouette, ok. Fais-moi une pirouette! Oh! Oh wow! Assieds-toi aussi si tu t'aventures dans la pirouette. Tu veux faire une pirouette toi aussi? Pirouette! 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 Oh wow! Oh! Ok! Ok! Ah, Chris, il est fort! Le cœur s'attendait tout pas à ça! Oh my god! Oh! Wow! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a que ça? Est-ce que t'as que ça? C'est vrai que tout le monde est chaud! Je vais essayer! You got it! Wow! C'est le meilleur! Hey guys, donc aujourd'hui c'est le lendemain du Juste pour ados. Je vais juste faire une genre de petite conclusion pour conclure la journée d'hier et tout ça. Premièrement, je vais commencer par dire à tous ceux et celles qui étaient là hier un gros merci. Honnêtement, c'était absolument incroyable. C'était la première fois pour moi que j'étais vraiment dans un événement aussi gros parce que je pouvais vous rencontrer. Puis j'ai trouvé ça complètement incroyable. En fait, oui, c'est une chose de recevoir vos commentaires, vos messages à tous les jours, mais de voir en vrai vos visages, de voir en vrai que, tu sais, je sais pas, qu'il y a vraiment des personnes qui m'écoutent, qu'il y a vraiment des personnes qui regardent ce que je fais, on dirait, ça m'a tellement touchée, puis ça m'a tellement émue. Donc, je vais juste dire un gros merci à tous ceux et celles qui étaient là. J'ai essayé de vlogger du mieux que j'ai pu là-bas. Honnêtement, c'était assez difficile parce que j'avais les mains pleines, j'avais ma caméra, mon sel. J'essaie de signer des autographes, de prendre des photos avec vous. Donc, c'était assez difficile. Mais pour ceux qui n'étaient pas là et qui avaient envie de voir un peu sa valeur de quoi, j'espère que ça a pu vous donner une petite idée. D'un côté, de vous rencontrer, ça, c'était incroyable. D'un autre côté, il y avait l'aspect de aussi être avec tout plein d'autres créateurs, des artistes et tout ça que j'ai trouvé incroyable. C'est la première fois que j'ai rencontré autant de personnes dans le milieu, dans le milieu des médias un peu québécois. Donc c'est assez particulier pour moi comme expérience de genre être avec ces gens-là que je côtoie pas habituellement. Puis c'est comme, tu sais, t'es là, tu vois des visages que tu connais. Tu sais, tu connais un peu, tu sais pas comment t'es censé les approcher, leur dire allô. Genre, moi, on dirait, j'avais tellement ce genre de gêne là. Peut-être que vous pensez que c'est tellement facile pour nous d'approcher le monde, je sais pas. Ben, juste comme faire tout ça, c'était comme vraiment sortir de ma zone de confort. Mais de toute façon, je sais pas, j'avais juste le goût de revenir un peu là-dessus. Puis, ben, merci d'avoir checké ce vlog là. Ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué, donc je suis contente d'avoir vlogué avec vous hier. Et puis, sinon, là, je m'apprête à partir pour la France. Je m'en vais rejoindre mon copain là-bas, donc c'est un beau voyage qui m'attend et je vais essayer de le vlogger et de vous montrer tout ça et donc de vous présenter mon copain aussi. Je sais que ça fait longtemps que vous attendez ça, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça les cocos et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye, je vous aime. Oh, oui, oh, oui, oh.